Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous êtes tous très bien, pour ma part ça va nickel. On se retrouve pour le 11e épisode de Far Cry 6 avec notre ami Miguel qui nous a fait des scènes quand même hein, dans le dernier épisode et là on marche depuis un petit moment. Attends, on va... Carlos. Tu poses beaucoup de questions, il est tout seul, on y est presque. On va aller à la station service, j'ai pas mal marché en off parce que vraiment il me fait des siennes, je n'en peux plus. Eh lui frérot, dès que ce sera possible je vais le fumer en fait. Voilà, je vous le dis. Salut toi. Oh, mais... Stop. Oui, t'es ultra mignonne. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Il faut être gentil dans la vie. Aussi, en marchant, les amis, j'ai découvert ici un nouveau site anti-aérien. Donc voilà, très bien. En plus de celui-là qui est là. Bref, on a beaucoup de cibles militaires à faire pour les prochains épisodes. En tout cas, vous inquiétez pas, on fera ça très prochainement. Toutes les cibles militaires. Retournez auprès de Miguel. C'est Miguel qui doit retourner auprès de moi. Frérot, mais fais pas l'amour avec la meuf. C'est pas parce que je l'ai trouvée belle. Eh oh, tu vas où? Mais il est complètement con, c'est pas possible. Allez. Mais tu sers à rien, vas-y. Oh là là. Oh, c'est atroce. C'est atroce. Et bah finalement, je comprends mieux les critiques envers l'intelligence artificielle. C'est trop, c'est infâme. Bref, les amis, n'oubliez pas le pouce bleu. J'espère encore une fois que cette série vous plaît. Là, je tourne quelques épisodes à l'avance, vous l'aurez compris. On est arrivé. Oh là là, on est arrivé de rien du tout. On est arrivé de rien du tout. Allez. Allez. On est arrivé à la station essence, les amis. Quel bonheur d'y arriver. J'espère qu'on n'aura plus rien à faire avec lui parce que franchement, Miguel, malgré que Carlos te considère comme ton fils, eh ben, t'es une merde. Voilà. C'est tout. Le voilà, Seigneur Yara. Allez, monte. Un peu que je vais monter. Je savais que tu viendrais. Cogno, mon poteau. T'as une sale gueule. Et dire que je croyais que vous étiez rationné. Tu me fais rire. Toujours sobre. T'as raison. Je prends sa part. Miguel. Je suis désolé de pas être venu plus tôt. Je voulais... Je te laisserai pas tomber. Dis pas de conneries, Carlos. Faut ce qu'il faut pour survivre, je sais. Bon, allez, assez parlé. Donne-moi cette putain de guitare. Beau travail, touriste. À notre première rencontre, je voulais te déchiqueter comme un crocodile, mais... T'es une Montero, maintenant, Dani. Gracias. Donc, je dois t'appeler papa, là? Tais-toi et bois. Ah, quelle soirée phénoménale. Nous sommes une Montero maintenant. Mais n'oublions pas que nous sommes avant tout là pour la libertad. Très important, les amis. Très important, les amis. Est-ce que je peux... Voilà, éventuellement. Regardez mon nouveau casque, il est joli hein, quand même. Hein. Très bien. Ça, c'est fait et ça fait extrêmement plaisir. Je suis très 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 content. Alors... On a plein de missions, on a plein de missions possibles, les amis. Hop là, notamment celle qui est apparemment en cours. Parler à Philly. Déluge de balles, il aimerait des munitions. Très bien, attendez. Ce camp ne sera jamais fini. Salut, Danny. On va lui demander directement. Eh, tout le monde m'aime hein, maintenant, vous avez vu? C'est incroyable. Parfait. Juste... Je suis là. On est amis maintenant, non? Tu m'en veux pas? J'ai failli te faire exploser, mais c'est le passé, ça. Hein, on doit regarder vers l'avenir. Et dans ton avenir... T'as bien raison. Allez, bonne chance. Merci. Rapporte-le-moi, je t'en dirai plus. Très bien. On va chercher des balles alors, c'est ça? À 1 km, toujours plus loin. Toujours plus loin, il faut qu'on aille... Oh bah ça va. Ça va, attendez.
Attendez, me dites pas que c'est là où on avait... Attendez, qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Ah ouais, c'était pas là qu'il y avait les sites militaires, là, ou je sais plus quoi? Ah si, c'est ça! C'est là où il y a les sites militaires, justement. Ah, bah ça devrait être easy peasy. On va du coup se téléporter directement là. Hein. On va pas se casser la tête. Et puis, on va y aller, les amis, voilà. Et si on a le temps encore durant cet épisode, mais sinon c'est pas grave, hein, on fera ça par la suite. Mais si on a encore le temps, une fois qu'on aura fini cette mission, on fera un petit objectif militaire. On va voilà, neutraliser une base des FND, on verra laquelle, si c'est possible bien sûr. En tout cas, voilà, on est arrivé. Le camion se trouve à la Marina d'Ocaso. Donc là, il nous faut un camion. Très bien. Et vous savez quoi, je vais commander ma voiture. Voilà. Je vais choper un véhicule. Je suis là, regardez ma belle voiture comme elle est belle. Je suis là. Mais putain, mais c'est moi qui l'ai commandé. Voilà pourquoi tu as marqué ce que je... Mais il est con ou quoi? Mais il est complètement con. Mais c'est pas possible. Danny, je voudrais que t'ailles voir quelqu'un. Elle s'appelle Yami. C'est un peu la Juan Cortez des bagnoles. Eh ben, ça promet. Même un seul Juan, c'est déjà beaucoup pour toi. Mais bref, va voir Yami. Ok, donc le copain nous donne une nouvelle mission. D'abord, on se concentre sur la nôtre. Attendez. Hop. Hop. Voilà. Billy, tu es à la marina. Surtout, quoi qu'il arrive, ne malmène pas ce cher bébé. Quoi ? Un camion, l'abîme pas. Conduis-le comme s'il y avait un gros bébé Philly tout fragile à l'intérieur. Un gros bébé Philly. Compris. Tu vas faire pleurer bébé Philly. Ramène juste ce camion en un seul morceau. Ok la vedette? Ok. Attention, Danny. Ouh là 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 là. Merde. Mon chien. Ouh là 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 là. C'est pas du gâteau. Bon là, on s'en fout. Y a pas d'histoire de renfort. Là, on doit juste voler un camion. Si on les libérait... Je parie que ces bêtes feraient des ravages. Ah, merci Danny pour cette belle indication. Ça me plaît énormément. Je ne vais point te mentir. Est-ce qu'il y a d'autres cages? Il n'y en a qu'une seule là. Oh, lui, je l'avais pas vu. Petite salope, va. Oh, lui non plus, je l'avais pas vu. Connard. Eh ben, on va essayer. Mais néanmoins... On est bien d'accord que... mon arme, tout le monde l'entend quand je tire. Et ça, c'est chiant. Voilà. Amuse-toi, bébé. J'ai envie de voir le spectacle. Eh bah, il fout un bordel, mais pas plus que ça. Alors, attends, lui, par contre, il va me causer du tort. Voilà. Alors là, j'ai eu chaud. Par contre, on va avoir un problème. On va avoir un petit problème. Alors attendez! Ça ne me plaît pas des masses. Ennemi dans le ciel. Frérot. Adieu. Le suprémo, les gars. C'est excellent. Regarde, et hop, lui, il est mort. Il a rien compris à sa vie. Voilà, j'adore. Personne ne sait où je suis. C'est insane, c'est insane. Bonne nuit, bonne nuit. Oh, le chien, il est plus résistant que les autres. Eh. Sérieux? Voilà. Je crois qu'on est pas trop mal. Les frérots. On va y aller. Attends, c'est qui m'a crimé?
veux, toi. Désolé, ceux qui aiment les chiens. C'est un méchant chien. Ah, il est là, le dernier. Par contre, j'ai plus de balles. Et ça, c'est terrible. Et ça, c'est terrible. Il me faut des munitions, les gars, là. Te rendre, c'est la seule chose à faire. Fermer ta gueule, c'est la seule chose à faire aussi. Hop. J'adore ce jeu. Par contre, là, on a un lance-roquette. Hop, on récupère la ferraille. Il faut pas casser le camion. Hein. Voilà. Ça, je récupère. Voilà. Allez! On s'arrache. Hola, Philly. Livraison de camion volé. Super. Je l'attends chaleureusement. Faut surtout pas suivre. Sois comme un chat dans la nuit. Un chat habile et sexy, bien sûr. Ouais. Je préfère les chiens. Toi, ils ont aussi. J'ai trop le seum. J'ai trop le seum de ce que je viens de faire. On a rien vu. Ok, nous on va là. Il me faut un GPS là parce que je fais n'importe quoi. Oh, oh non. C'est une blague. C'est une blague. Non. No fucking way. Oh, dites-moi que je dois pas tout recommencer, c'est éclaté au sol. Exactement où Philly m'avait dit. Oh non. Va falloir faire gaffe. Oh non, j'ai le seum. Bon les amis, on la refait. Je vous retrouve juste après, à tout de suite. Allez les amis. J'ai récupéré le camion. Alors, je vais pas vous mentir, cette fois-ci, j'y suis allé en mode bourrin, pas comme pour ma première. Ah, là, on va avoir un problème encore. Non, mais là, les gars, vous voulez me faire passer par où, là, sans déconner, là, c'est... Vous exagérez, là, quand même, hein. Vous exagérez. Attendez, je vais passer par là, je pense, non ? Ça passe. Ça passe crème. Bon les amis, faisons gaffe. Attends, toi j'ai pas envie de t'écraser. J'ai un collègue qui s'est fait abattre devant moi. Je vais devoir le laisser, je pense mourir. Je suis désolé. Allez, c'est parti les amis. Regardez l'état du camion en haut à gauche, 100%. Alors que vraiment j'y suis allé en mode bourrin et je l'ai même pas réparé. Je me suis fait tirer dessus. Range ton arme, putain. Mais range ton arme. Voilà. Donc ça s'est super bien passé, je suis très content. Et en vrai la phase était très intéressante. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Bon, malgré que je l'ai foiré après, mais ça c'est ma faute. Mais la phase était très intéressante. Par contre, je dois dire que ça, ça m'intéresse. Et en plus, j'ai le droit d'être là. Et ça, c'est cool. Alors, autant en profiter. Alors, si je peux casser ça. Voilà, là, ça marche. Parce que dans le dernier épisode, ça marchait pas. Un blouson d'opportuniste. Plutôt pas mal, ça, les amis. Qu'en pensez-vous? Attendez. Comment on fait de nouveau? Je suis complètement con. Ah, voilà. J'ai un casque d'opportuniste. Maintenant, c'est le blouson d'opportuniste. J'aime bien. Ça fait un peu plus Rangers, tu vois ce que je veux dire? Puis le pantalon, jean d'opportuniste. Voilà, je suis opportuniste. Ça, c'est génial. Hein. Exterminador. D'accord. Génère une explosion circulaire. Tire une salve de roquettes. Ah, j'ai seulement de capter qu'en fait, il y a différentes sortes de supremo, quoi. Je commence à comprendre le jeu à la fin. Mais c'est cool. C'est vraiment cool. Il y a beaucoup de choses à faire. Bon, pour le moment, je l'aime bien comme ça, le supremo. Je m'en suis servi plusieurs fois et c'était vraiment très cool. Contre l'hélicoptère notamment, c'était juste parfait. Maintenant, faut que je ramène ce bébé à Philly. Allez.
Attendez, il n'y a pas de poste de contrôle là, rassure-moi. Oh là 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 là. Eh, revoyez votre permis. Hein. Revoyez votre permis. Hein. Hop. Bonsoir à tous. Première fois qu'on prend ce chemin en voiture, c'est très marrant. Chaque fois c'était en cheval qu'on venait là. Chez les Montero. Les Montero, c'est les bros. Attendez, faut que je continue par là, je crois. Voilà. Excusez-moi, hein, j'ai cassé votre ferme, hein, mais bon, il faut bien que je passe. Hein. Ouais. Dégage. Voilà la vedette. Ouais, et la vedette a besoin de rhum. Pinga. Qu'est-ce qu'il y a? Magic Philly, bébé. Mierda, j'ai failli crever pour de la mousse. Non. De l'or blanc, Dani. Super rare. Et ça brûle comme en enfer. Chaque chose a son utilité, la vedette. Même toi. Alors, j'ai pas bien compris la situation, je vais pas vous mentir. Qu'est-ce que c'est que cette mousse blanche? Je n'en ai pas la moindre idée. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour rappeler le véhicule, oui, c'est ça. Très bien. Très bien, très bien. Est-ce que... Attendez, j'aimerais juste un petit atelier, là. Il y en a un là-bas. Oh, il est à l'autre bout du monde, frérot, c'est chiant. J'aimerais juste retourner à l'atelier parce que du coup, bah, je pense qu'on sera tous d'accord. C'est que vraiment, les silencieux, c'est ultra important. Et j'en ai marre de me faire cramer. Si j'ai bien compris, ce silencieux-là, eh ben, c'est éclaté au sol. Et celui-là, il est plus discret. Ça, c'est encore mieux. Et je peux pas parce qu'il me faut des joints résistants. Par contre, je peux faire celui-là. Attends, qu'est-ce qui vaut le plus le coup entre celui-là et celui-là? Ah, celui-là, il vaut le coup. Suppresseur de son américain. Voilà, c'est le plus discret. Pour le moment. Ah oh, ouais, lui, je l'aimerais trop. Hein. Poudre à canon et circuit industriel. Quand on aura, ça va être incroyable. Voilà, mais ça, c'est un vrai silencieux, ça. Ça, c'est un vrai silencieux, les gars. America! Échange de matériaux, tiens, on va en profiter. Eh ben, parfait! Allez, j'ai peut-être tout ce qu'il nous faut. Attendez, j'ai pas fait attention, j'avoue, j'y suis un peu... On y allait comme des bourrins. Mais imaginez. Malheureusement. Ah ? Ah non, j'ai pas eu de circuit industriel. Par contre, j'ai eu des joints résistants. Ah, mais oui, mais c'est de la merde ce silencieux, il m'enlève de la discrétion. Non, non, bah c'est pourri du coup. Non, non, bah tant pis. Ok, juste sur cette arme, en vrai, la RPD, c'est vrai que j'ai mis aucun accessoire. Et pourtant, eh, ce serait quand même pas mal. Au vu de l'arme. Balle toxique en vrai. Inflige des dégâts de poison sur la durée. Peut inciter les ennemis empoisonnés à s'attaquer mutuellement. Oh! Balle à pointe en verre qui réduisent les dégâts de l'arme. Ah. Ça sert à rien alors. Si. En vrai c'est trop stylé s'il pète un câble et tout. Ce serait génial. Très bien. Bon l'apparence entre nous. C'est pas très important. Ok. Ah je suis content. Ah, je suis content. Je suis vraiment bien content, les amis. Du coup, et ben comme convenu, les amis, on va pas faire de mission d'histoire. Par contre, on va faire les cibles militaires. Donc là, si on regarde, on a deux opérations à faire, deux histoires de Yara, et là, c'est toutes les chasses militaires. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, les amis? Université, très bien. On va faire déjà les faciles. Regardez, niveau 3. Capturer le poste de contrôle. Allez. Capturer le poste des FND. Parce que ça, c'est des TP rapides. Et il est où? Et il est où? Il est là-haut. Ah. Ok, c'est celui qui nous a fait un petit peu du tort. C'est celui qui nous a fait un petit peu du tort. Rappelez-vous, je crois que c'était dans le dernier épisode. Ou celui d'avant. Bref, n'est-ce pas? Bon, on va y aller. T'inquiète pas, mon pote.
On va s'en occuper. Vas-y, ramène-moi ma voiture. Il me faut un truc qui roule. Voilà. Là, les gars, on va s'éclater. Merci, frérot. Merci, frérot. Ok, prends-en soin, camarade. Bah, ouais, t'aurais pu laisser tourner le moteur, en vrai. Hein. Allez, c'est parti. Yeah, yeah, yeah. Riba, 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 rop, pop, rop, pom. Bon, allez, j'éteins. Parce que sinon, je vais chanter. Et vous allez me détester. Moi, je veux pas que vous me détestiez, moi. Comment on klaxonne de nouveau? Ok. Attendez, c'est ça? Ok. Ça, c'est pour chercher la merde. Attendez. Pourquoi il met pas le GPS, le con? Il faut toujours pas aller là, ouais. Oh merde! Oh, j'ai déglingué le pot. Le poteau, pardon. Le plot. Je ne sais plus parler. Je ne sais plus qui je suis. Voilà. Allez, on est bientôt arrivé. Ça va partir en cacahuète. Mais c'est niveau 3, donc ça devrait pas être compliqué. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas de renfort. Parce que souvenez-vous, quand on était dans le caca, on n'a pas eu d'alarme qui a retenti. Bon, il m'a fait peur. Ah, c'est un dodan. Eh, je croyais que c'était pour crever mes pneus, ça. D'ailleurs, on va pas foncer parce que là, ils vont nous crever les pneus avec leur herse. Bon, alors, on va... Range ta putain d'arme, c'est pas vrai, ça. Voilà. Détruisez le panneau des FND et éliminez les soldats. C'est vrai que c'est ultra simple, en fait, hein. C'est vrai que c'est ultra simple. Si, il y a une alarme en fait. Il y a une alarme. J'ai un peu le seum. Poste de contrôle. Vaut mieux faire attention. Il y a une caméra. Ah, j'ai un peu le seum. Ah ouais, il y a des renforts. Ah, j'ai le seum. Bon, attendez, j'ai le droit de passer par là. C'est ça ce qui est bien. Heureusement, c'est qu'il y a des zones où t'as le droit d'aller. Tirer sur cette alarme sert à rien. Ah ouais? Ok, donc l'alarme, on peut pas la désactiver comme ça. Génial. Génial. Là, je parais suspect, apparemment. Très bien. Excuse-moi. Hein. Bon. Donc, ça sert à rien. Ok. Donc, il faut que j'y aille comme ça. Le problème, c'est que je vais me faire allumer, là. Ok, je sais comment on va faire, les gars. Qu'est-ce qui lui arrive? Je vais devoir faire attention. Soyez vigilants. Regardez partout. Qu'est-ce qu'ils ont? Non, mais j'ai rien fait. Hein. Bah, tant mieux, du coup. Ils sont en train de me chercher, alors que... Eh bah, tant pis pour vous. Chez. Chez. Toutes les alarmes sont désactivées. J'aurai aucun problème. Vous êtes des hommes morts, les gens. Hop, dans ta gueule. Bonne nuit. Ah, je suis content. Ah, je suis content. J'ai réussi. Sergent. Sergent chef, mort. Hop. Hop. Bonne nuit à tous. Hop. Objectif terminé. Et là, il y a des copains. Et voilà. Ouais. Y'a quoi maintenant? Ah, ça y est, maintenant je suis le boss de Far Cry, quoi. Et alors je fais le con, mais cette musique elle est magnifique, hein. Cette musique, putain. Alors j'ai mis un tweet, hein, d'ailleurs sur Twitter, mais c'est vrai que ça, vous ne le savez pas, sauf si vous jouez au jeu bien sûr, mais à chaque fois que je lance le jeu, il y a une cinématique qui est au début, c'est le trailer du jeu. Elle dure à peu près 2-3 minutes et je ne m'en lasse pas. Je ne passe jamais le générique. Commandant. Il est magnifique. Il est magnifique. Ok, ça c'est chez nous maintenant. Tranquilo por aquí. Hop. Cache des FND. Merci. Un pistolet. M9. Ça me semble pas mal.
En plus, on a des nouvelles caches découvertes. Juste à côté, très bien. C'est génial, c'est génial. Ça, c'est pour nous. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Et il pleut. Et il pleut, c'est bien triste. Eh bien, les amis, on va s'en arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Moi, ce que je vous propose pour les prochains... Garde tes distances. Eh, c'est à moi que tu parles, là. On est frérot, hein. Je te rappelle, hein. C'est moi qui ai libéré, hein. Ouais, dans le prochain épisode, les copains, on va continuer les cibles militaires. Voilà, on va se focus là-dessus un petit peu. Je pense que ça peut être pas trop mal. Vous n'avez rien à faire là, monsieur, ça dégage. On t'aime pas, nous. Voilà. Eh, hey, c'est chez nous. Purée, me fait peur. Qu'est-ce qu'on peut en faire de ce camion, à votre avis? Trouver un point de collecte. Mais attendez. Il y a un truc que je comprends pas. Ah voilà, ils attaquent. Ah, ça me rassure alors. Ça me rassure. Bah du coup je oubliais ma question. Attends, lui, par derrière. Hop. Ça dégage. Si. En fait c'était ça ma question, je me disais mais je comprends pas. Pourquoi on attaque pas les méchants qui arrivent chez nous? Et du coup bah c'est bon, j'ai la réponse. On les attaque bien. Ok. Quel plaisir. Bon les amis, n'oubliez pas le pouce bleu et on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Je suis ultra content les amis de la tournure de cette aventure maintenant. Et puis voilà, n'oubliez pas le pouce bleu. C'était Mkolo, des bisous. Ciao ciao tout le monde.